tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 octobre. Il est 9h22, je suis complètement en galère avec mon montage encore. Franchement, je sais plus comment je vais faire pour réussir à monter mon vlog en temps et en heure. Enfin, c'est surtout que je perds énormément de temps, mais vous pouvez pas imaginer combien de temps je perds. En ce moment, tous les matins, c'est limite, je fais mon montage sur toute la journée. Parce que j'arrive pas à le faire le matin direct quand je dépose les enfants comme je faisais d'habitude. Voilà, ce qui fait que c'est très compliqué. En fait, j'ai changé de version, enfin j'ai changé, non, j'ai fait une mise à jour de la version de mon logiciel Filmora. Je sais pas si quelqu'un pourra m'aider, peut-être, je sais plus. En gros, j'ai le logiciel de montage Filmora. Et là, récemment, ils ont fait un update de la version, donc ils ont mis la nouvelle version. Sauf que d'habitude, je les faisais jamais, les mises à jour. Je restais toujours sur la version que j'avais. Et là, ça faisait plusieurs mois, vous savez, qu'ils me redemandaient de télécharger la nouvelle version, tout ça et tout. J'avais toujours refusé. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'aurais jamais dû. En gros, j'ai accepté et du coup, il y a la nouvelle version qui est arrivée. Sauf que, si vous voulez, quand je mets mes fichiers sur le logiciel, la lecture de quand je fais mon montage, c'est-à-dire la lecture des images, ça fait comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, impossible pour moi, mais vraiment impossible pour moi, de faire quoi que ce soit en montage. C'est juste impossible. Je clique sur pause pour pouvoir cut, etc. Ça me fait pause 10 minutes plus tard. Enfin, franchement, je vous jure, c'est une catastrophe. Du coup, je fais un genre de rendu, en fait. Sauf que pour rendre les images fluides, là, en estimé, il y a 2h38. Donc, ça fait que je dois attendre 2h38 avant de commencer mon montage seulement. Voilà. Donc, pour vous dire, là, je sais pas comment je vais faire. Donc là, dans 2h38, ben, ce sera l'heure d'aller chercher les enfants à l'école, de faire à manger, voilà, tout ça. Donc, impossible de faire le montage ce matin. Je vais devoir reporter à cet après-midi, sauf que cet après-midi, j'ai des choses à faire. Je ne sais pas comment m'organiser, du coup, pour ça. Franchement, dites-moi en commentaire si vous pouvez m'aider, si y a une solution pour revenir sur la version ancienne de Filmora ou pour, je sais pas. Je suis dégoûtée. Vraiment. Du coup, ça me plombe toute la journée. Ça me plombe toute la journée. Je suis tout le temps dessus. J'ai l'impression que j'en finis jamais et tout. C'est hyper long. Et voilà quoi. Donc là, bah, en attendant, la seule chose à faire, c'est je vais faire tout mon ménage. Du coup, avant mon montage, d'habitude, je le fais toujours après. Donc là, je vais le faire avant. Je vais faire tout mon montage, les lessives. Mais en règle générale, mon montage, ça me prend pas 2h30 quoi. Donc si ça fait ça tous les matins, c'est juste impossible pour moi. Faut que je voie si quelqu'un peut m'aider. Sachant que je suis très nulle en informatique, ou alors, très nulle non, je suis pas non plus très nulle, mais tout ce qui est logiciel de montage, c'est hyper complexe. Je sais pas comment faire quoi. Ça, franchement, je sais pas. Bon, je vous reprends, mais beaucoup plus tard. Il est quelle heure là? 17h. Ouais, 17h45. Là, on est sur le parking de chez Lidl. Alors, mon montage, ça s'est toujours pas arrangé. Ça, c'était même pire en fait. Je vous jure, je viens à peine là, il n'y a même pas une demi-heure, de terminer le montage et je suis en train de l'enregistrer. Sauf que l'enregistrement est estimé à 1h30. D'habitude, l'enregistrement s'est fait en 5 minutes, 5-10 minutes.
Là, c'est 1h30 d'enregistrement. Et après, il faut encore que je le mette sur YouTube. J'ai peur que sur YouTube, ça mette aussi 3 plombes. Donc, cet après-midi, j'ai essayé de trouver des solutions. J'ai essayé de trouver un autre programme de montage. Essayer de voir comment faire. Parce que moi, c'est une licence que je paye à l'année pour ce logiciel. Hein. Donc, j'ai pas envie de perdre ma licence, etc. Là, j'ai une douleur à ce doigt. Je suis désolée, je vous montre ce doigt, mais c'est celui-là. J'ai une douleur à ce doigt. J'arrive pas à le mettre droit, en fait, comme celui-là. Là, j'arrive pas à le mettre droit et j'arrive pas à le plier. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Pourtant, je me suis pas cognée ni rien. J'ai pas forcé dessus ni rien. Mais je sais pas ce que j'ai. J'avais ni à le mettre droit ni à le plier complètement. Voilà. Celui-là, je sais pas ce qui se passe, j'ai hyper mal, on dirait que j'ai une entorse, c'est trop bizarre. Donc bon, bah c'est pas la journée aujourd'hui, c'est vraiment pas ma journée en tout cas, ça c'est sûr. Je suis dans un mauvais mood là, je suis pas du tout dans un bon mood, désolée, le vlog il sera pas très gai. Par contre j'avais terriblement envie de légumes, parce que là ça faisait plusieurs jours que j'avais pas de légumes dans le frigo. Aria vous montre sa bouche, tout est normal. Non mais c'est surtout que la dernière fois que j'ai fait des légumes, c'était la soupe de potimarron. Mais j'avais envie de légumes à manger, quoi, pas mixés. Donc j'aime chercher des légumes, j'ai trop envie de légumes. Je sais pas, je pense que quand j'ai envie de légumes, c'est quand je suis dans un bad mood. J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'à chaque fois que je suis pas très bien et quoi, j'ai envie de légumes. C'est trop bizarre. Des fois, je me dis, mais je suis trop chelou. J'ai envie de légumes quand je suis pas bien. On va savoir. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les petites courses d'appoint, au final, ouais, ça s'est transformé en course d'appoint. Puisqu'à la base, je vous ai dit que j'allais acheter des fruits et des légumes. Je n'arrive pas à rentrer dans un magasin et me dire, je vais juste acheter des fruits et des légumes. Parce que quand tu te dis, tiens, avec ce légume-là, je vais faire cette recette-là, mais il me manque ça, plus ça. Et avec ce légume, je vais faire ça, plus ça. Hein, t'as compris. Toi-même, tu sais, c'est comme ça. Donc, ça s'est transformé en course d'appoint. Donc, je vais vous faire mon retour de course d'appoint. J'ai toujours autant mal hein, à mon doigt. Franchement, je commence à m'inquiéter. Je disais à David, je me demande ce que j'ai fait et tout. Alors David n'est pas à la maison, il est parti à la pêche avec Nono. Puisque Evan ne veut... Non, en fait, Evan ça lui plaît plus, la pêche. Voilà. Donc du coup il part plus qu'avec Nono. Nono il s'éclate plus à la pêche. Donc il est parti à la pêche avec Nono. Et donc c'est pour ça que je lui disais que j'avais mal et que c'était trop bizarre. Et qu'il commence à enfler mon doigt, c'est trop bizarre. Bref, donc j'ai pris du Mighty à la framboise, ça j'aime bien de temps en temps, voilà, on aime bien en boire de temps en temps, c'est vraiment occasionnel mais on aime bien. Ensuite j'ai pris un chou rouge, j'avais trop envie de faire un chou rouge avec des pommes, ça se fait beaucoup en Allemagne, en Alsace forcément aussi, c'est pour ça d'ailleurs que je veux en faire, parce que ça vient de, enfin moi perso j'en mangeais en Alsace, mais c'est vrai qu'il me semble qu'ici ils ne connaissent pas. Chou rouge aux pommes. Et ça, ce chou rouge aux pommes, bah c'est trop bon, c'est trop trop bon. J'en avais déjà fait l'an dernier, je crois que même je vous avais montré comment je faisais en vlog et tout. Mais chou rouge aux pommes, de toute façon le chou rouge vous pouvez le manger aussi bien cru que cuit. Cru c'est super bon en salade et tout, enfin... Mais par contre ouais, quand on en achète du chou rouge, ben on en a pour un petit moment. Donc là je vais le couper et je vais le, vous savez, passer à la mandoline comme ça pour le couper très finement. Et puis après je vais le faire soit cuire, soit en salade. Du coup j'ai acheté aussi des pommes, forcément, avec pour le chou rouge quoi. Des pommes, je les ai pris les bicolores. Franchement, cette année elles sont super bonnes ces pommes là. J'en avais déjà acheté 2 kilos la fois dernière quand j'étais chez Lidl. Et franchement elles sont super bonnes à manger comme ça. Les enfants les adorent, moi aussi. Donc voilà, j'ai pris des oranges. D'ailleurs je voulais contrôler le prix des oranges parce que j'ai vu afficher 3,50€ le filet de 1,5 kg. J'étais comme ça, 3,50€ les oranges. En fait, c'est des oranges. Mais sérieux. Donc je voulais contrôler le prix, mais à la base je me suis dit non et tout, j'ai pas acheté 3,50€ d'oranges en fait. Mais alors déjà, c'est des oranges à jus. Parce que je veux faire j'ai vu passer une recette, c'est des carottes râpées aux oranges, au jus d'orange en fait.
Et je sais pas, ça me donnait trop envie. Donc, j'ai pris également des épinards. Là, ce sera que pour moi, les épinards, parce que personne aime ça dans la maison. Donc, je vais les faire en fait d'un coup. Je vais tout faire d'un coup. De toute façon, ça va être ça d'épinards. Tu vas avoir ça, ça dans la casserole. Hein. De toute façon, tout le monde sait que les épinards. Voilà. Ensuite, j'ai pris du poireau parce que j'ai envie de refaire des soupes. Il me reste un demi potimarron. Donc, je pense que je vais faire potimarron, poireau, patates, carottes, oignons et ail. D'ailleurs je vais la faire ce soir. Et d'ailleurs Juju m'a donné trop envie. Quand je suis allée chez elle hier, elle me disait ouais j'étais en train de faire ma soupe naninana. Et je dis ah bah tiens t'as fait une soupe. Moi j'en ai fait une hier soir. Elle me disait bah oui machin, j'ai rajouté du riz dedans machin. Et là je me suis dit, oh, mais c'est vrai que c'est trop bon le riz rajouté dans la soupe. Et c'est vrai que mais moi j'ai pas le réflexe en fait d'y penser au riz. Je mets plus des, vous savez, des pâtes à potage dans les soupes. Mais c'est vrai que le riz j'y pense pas forcément. Et du coup elle m'a donné trop envie. Et elle avait aussi fait une soupe au potimarron. Donc c'était trop bizarre parce que moi la veille, alors qu'elle le savait pas du tout, j'avais fait une soupe de potimarron. Et elle le lendemain matin elle en avait fait aussi. Ensuite j'ai pris des petites frites comme ça apéro. J'ai pris également des bananes. Alors elles sont géantes celles-là, mais regardez-moi la taille des bananes quoi. C'est immense, c'est immense les bananes. Donc le riz, parce que j'en avais plus du coup pour faire la soupe. Là, sur la semaine espagnole, il y avait une sauce tomate aux oignons, avec oignons, je sais pas, c'est marqué tomate frite avec oignons. Je sais pas, ça m'intriguait le tomate frite avec oignons. Et ce genre de produit comme ça, espagnol en général, c'est pépite. Ensuite, j'ai repris bah, forcément des goûters, hein, parce qu'on est à rate de goûter. C'est aussi en partie pour ça que je suis allée faire les courses là. Quand je vous ai dit que je voulais des légumes et des fruits, c'est aussi en partie pour les goûter, parce que on tombe en rate de goûter. C'est fou, on est tout en train d'en acheter quand on a des enfants, des goûter. Là ils ont sorti les gâteaux de Noël. Je suis trop contente parce que moi ces gâteaux là j'en mange à partir de quand ils en sortent, donc début octobre jusqu'à fin février quoi. Ces gâteaux là c'est ma vie, c'est ma life de chez ma life. Donc bah direct, hein, forcément j'en ai acheté tout de suite un paquet, et pas qu'un. J'ai acheté également ceux-là. Ceux-là c'est mes préfs de tous les temps, ils sont trop bons. Et il existe au chocolat noir et au chocolat au lait. Forcément moi le chocolat noir c'est ma life. Par contre le chocolat au lait j'aime pas trop ça, donc je prends chocolat noir. J'ai pris aussi des biscuits apéritifs aussi comme ça. Là il y avait une promo, donc en fait c'était un acheté le deuxième à moins 30. Mais au final, des fois en fait quand vous voyez sur le moment vous dites ouais c'est une bonne affaire et tout, je vais en prendre direct deux. Au final je me suis dit mais en fait j'en ai pas besoin de deux, je vais juste en prendre un. Donc j'ai repris ouais, des infusions Clippers. Et celle-ci c'est une infusion fraise et fleurs de sureau. Elle est très très bonne celle-ci. Ensuite Aria voulait des jus de pommes en petites briquettes comme ça. Des pains au lait, bon bah ça comme toujours. Des gousses d'ail, j'en avais plus, des têtes d'ail. De la mozza râpée parce que j'ai envie de faire un gratin de pâte. J'ai pris aussi du bleu d'Auvergne justement pour faire le gratin de pâte. Du lait de coco, maintenant ils les vendent par deux, par trois comme ça chez Lidl, c'est trop pratique. Donc, et puis elles sont vraiment pas chères comparées à dans le commerce. Hein. Ensuite du bacon, j'avais trop envie de bacon. Là pareil, encore des gâteaux pour le goûter, pour le petit déj du matin, tout ça, tout ça. Moi par contre ça je... Vous savez, je vous avais déjà dit, moi je suis pas très gâteau, mais j'en mange presque jamais, sauf certains que vraiment j'adore. Les Pimms, bon c'est pas les Pimms mais vous avez compris, les Pimms et les gâteaux de Noël là-bas. Les barquettes, bon bah ça pour l'argent. Aria ce soir elle voulait des nuggets de poulet, donc j'ai pris des nuggets. Pour nous, pour Evan et moi, je nous ai pris des pavés de saumon. Voilà, je vais faire ça pour nous deux. Ensuite, j'ai pris une plaquette de beurre. 4,80€ le beurre. 4. Mais dites-moi que ça a augmenté. Parce que là, je ne m'en rappelais plus que je payais 4,80€. Bon, c'est 500 grammes de beurre, tu vas me dire. Mais je sais pas, ça me paraît énorme. Ça fait presque 5€ la plaquette de beurre. C'est énorme, bref. Voilà, le brie. Toujours avoir du fromage dans le frigo.
une petite épice comme ça, Ducros à l'italienne. Alors j'ai cherché l'épice méditerranéenne, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc c'est pas grave, j'ai pris l'italienne, elle est très bonne aussi. Ça, Evan, il adore ça au petit-déj, lui, il aime bien en manger. C'est les petits façon Belvita en fait. Belvita? Attendez. Oui, il me semble que c'est Belvita. Non, Belvita, c'est un yaourt. Oh, bref, vous avez compris. Voilà. Ça, c'est pareil. Alors, c'est pas nouveau, parce qu'au final, je me suis déjà rendu compte que ça faisait un petit moment que c'était dans les rayons. Mais en m'y penchant un peu plus, je me suis dit qu'en fait, c'est le dupe des gerblés aux pépites de chocolat, comme ça, là. Donc, bah écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai repris aussi des graines de courge. C'est vrai que j'en avais plus des graines de courge. Ça, les graines de courge, c'est un super aliment. Faudrait peut-être. Enfin, le mieux en fait, c'est au moins d'en consommer, allez, au moins une fois par semaine. Des graines, peu importe. Graines de sésame, graines de courge, graines de tournesol. Voilà, faut quand même. C'est bien d'en consommer des graines. Et moi, en l'occurrence, j'aime bien les graines de courge. Et là, j'en avais plus, donc j'en ai racheté. Et pour finir, des carottes. Évidemment, évidemment, évidemment. Allez, je vais ranger tout ça et je vais préparer à manger. Bon, allez, du coup, j'ai préparé donc de l'ail, des carottes, des petites pommes de terre, du poireau. Là, c'est mon seau pour le compost. Là, j'ai laissé le saumon en fait se décongeler tranquillement. Et le potimarron. Voilà, donc ça, donc tout ça, je vais éplucher, couper en rondelles, tout ça, machin. Pour mettre dans le cookéo, ça je vais le faire à part et voilà. Et là j'ai commencé à faire les nuggets pour Aria. Voilà, et je vais faire tout ça. Voilà, ça va me prendre quand même un petit moment parce qu'au final, la préparation pour les soupes ça prend un petit moment. Après, ça cuit vite, mais l'éplucher, machin, le truc, laver les. Bon, voilà. Et là il est clair, ça va 19h30, donc ça va, j'ai le temps.